Yo, Kusuminasan Speak Death, on se retrouve sur Samurost 3 pour la suite de la série, pour la prochaine énigme, et on va continuer, tout de suite. Par contre, je ne sais pas ce qu'il faut... Je sais pas comment on règle le truc. Ah, ou peut-être comme ça. On va voir. Alors là, il faut, on avait dit... On avait dit celui-là. Ah, encore un. Et là, on avait dit le rond. Il est où le rond? Ah, il est là. Allez! Un peu chiant à faire, ce truc-là. Là, il y a quelque chose à faire, là. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il va faire quelque chose au final, lui, ou fait juste un petit tour? Ok, d'accord. Oh là là, j'ai débloqué 1000 pattes, pardon, excusez-moi. Oh, le truc pas fait exprès. Allez, un petit peu de chance, ça fait du bien. Bon, est-ce que ça a marché l'énigme là? Allez, cours, petit Samurost. Ah, t'es lent. Bon, si je suis obligé de faire des allers-retours, ça sera pareil, ce sera une avance rapide. Ah mince, c'est pas le bon. Si? Ah non. Ok, donc là c'est le 3 qui est affiché. Allez, on va réessayer. Le papa est autre. Ouais. Yes. Ah mais il y a plein de trucs à faire en fait comme ça. Ah, papa, reviens là. Où est-ce qu'il est, lui? Voilà. Oh, mais il fait n'importe quoi, le Sopic. Allez, sors de là. Sors de l'estomac. Fonce. Oh, mais descends plus vite. Oh. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Oh, il y a une plateforme. Ouais, bah j'espère que tu connais le mécanisme pour remonter. Hein. Wouah, c'est quoi ça? Oh, avec la musique qui fait flipper. Bonjour, messieurs les gardiens des enfers. Je peux rien faire, ok. Et ouais, c'est censé faire quelque chose là. Ok, cool. Bon, je vais pas utiliser le livre tout de suite, hein, je vais avancer. Je peux au moins? Je peux pas, d'accord. Attends, reviens, petit Samurost. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Joue. Yeah.
Et alors ? Ouais. Ah oui, c'est qu'il faisait plus rien lui. Allez, allez, allez ! Ouais. Ah, il y a une porte ici. Donc faut que j'aille récupérer, je sais plus quoi, la matière qui pue là. Ah, ça a l'air chaud ici. Hein. Ok, je peux rien faire. C'est très joli. Ceci dit, hein, c'est très très joli. Ok, je sais pas, faut que je recommence. Ouais, il se met à danser. Allez tous ensemble, dansez derrière votre écran. Yeah. Et sinon, ça va me débloquer un truc là où... Non, c'est reparti. Ah ouais. Voilà. Ah oui, d'accord, j'avais parlé de dynamite. C'est carrément la grosse bombe de bourrin, quoi. Ah, je me transforme en bousier. J'adore cette musique. Ça va péter. Ça a pété. Ah bah t'as fait un gros trou, hein. Là, c'est sûr. Hein. Merci, mes petits amis. C'était sympa. C'est bien amusé tous ensemble. Allez, run, petit Samorost. Ah, attends. J'ai un truc à faire avec eux. Non. Enfin, non. En tout cas, ce n'est pas une évidence. Voilà, j'ai fait ça, je suis très content. Et maintenant... Et maintenant, il y a un caillou qui flotte. Ah, ça devait être tout à l'heure, je l'ai pas vu, je suis passé à côté encore, c'est ça. Tout le monde l'a vu derrière son écran, a dit Yann, c'est pas possible. Ce pic, mets tes lunettes, tu vois que dalle. Allez, zou. J'ai envoyé un caillou dans l'espace, ça va me permettre de voyager plus loin. Vers l'infini. Et au-delà. Oula, il commence à fatiguer mon vaisseau spatial. Alors, il est où le caillou? Il est là. Oula. Il est parti, mon caillou. Oula. Sérieux, il y a une énigme là-dessus? Vas-y, sors sur ce tout petit caillou dans l'espace. Oui, pas de soucis, je le fais. Ça va se faire. Ok, salut. Non mais sérieux? Are you kidding me?
Je suis un petit peu, comment dire, décontenancé. Ah d'accord, il commence à me mettre des difficultés. D'accord. N'importe Newek. Ah mais ça se barre en vrille, même le livre il se barre en vrille maintenant. Ça va être long, hein. Ça va être compliqué. Hein. Alors. Waouh, attends, excuse-moi. D'accord, donc c'est à partir de là qu'on peut atterrir sur probablement le dernier monde. Je sais pas, là, je sais pas, il y a un point d'impact à ce niveau-là, je sais pas ce que c'est. Ok, thank you. Allez, je remonte. Là, c'était juste un petit délire. Allez, qu'on aille visiter un nouveau monde. Car je rêvais d'un nouveau monde. Je rêvais. Pardon. Ça va, tu te sens pas tout seul? Ah, mais c'est lui qui gardait le microprocesseur. Bonjour, monsieur le moine. Ça va, t'es pas devenu complètement fou à rester ici tout seul? C'est une connerie? Comme ça, c'est une connerie? Bah, pas du tout. Tinka Satan. Kadamanika Sikalintes. Asi Volana Kotila. Kotila Sik Sintin Zankantis Tranchata Kala. Oh là là, je me crois dans Game of Thrones. C'est du Dothrakis, non? C'est pas ça que j'ai pas. Il a bouffé tous les esprits! Chameau, tu vas me le payer! Ouais, c'est vraiment un gros méchant, hein! Il a volé le microprocesseur! Salaud! Espionnage industriel! La vache. Et sinon, il n'y a plus rien alors dans ton coffre. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ça marche, ne t'inquiète pas, je vais récupérer ton microprocesseur. Nous allons défaire le gros méchant. Je sens qu'on approche de la fin, les amis. Et ah non, je peux pas aller sur la lune là-haut. D'accord, bon, on va aller là alors. Moi, je voulais aller sur la lune. Fly me to the moon. Ah bah c'est un peu plus vert là. Bonjour monsieur le... l'oiseau. Ah. Alors. Ah, en fait c'est quand je clique sur quelque chose, il s'amuse à faire des allers-retours là. Oh, moi je veux des animaux comme ça dans la vraie vie. Alors, nous nous retrouvons encore avec une petite énigme, forcément. Ah, c'est ce que j'ai joué, ça. Ah, c'est pas si mal, hein. D'abord.
Alors, est-ce que il faut reproduire la musique que m'a dit le monsieur là, le petit Non. Si si. Ici, je t'assure. Alors, ouvrez grand vos oreilles. Perdu. Perdu. Ouais, non, mais c'est bon, je sais que c'est pas ça. Oh là là. Bon, je vous ferai des avances rapides à chaque fois que j'aurai un essai raté, hein, parce que sinon ça va être compliqué. Hein. Allez, cinquième essai, je l'ai. Si je me gourre pas de touche. Allez. Il est sorti. Il est content. Yes! Mais bon, c'est juste pour un petit machin comme ça, d'accord, ok. Aïe. M'en fous, j'ai réussi l'énigme, c'est tout ce que je voulais. Je suis content. Ouais. Maintenant, il y a de l'eau? Je recommence. Maintenant, il y a de l'eau. Ok, bon bah il y aura peut-être une deuxième chanson, hein. On verra plus tard. Là. Comment je fais là? Allez, descends. Je sais que tu peux passer par là. Là. Ouh, petite énigme musicale. Moi j'aime bien ça. J'aime bien ça. Oula. Oh mais regardez-moi ce dessin des arbres là. Comment ça déboîte? Bonjour les vieux! Ouais, d'accord, ça c'est le cyborg qui a combattu le méchant. Une tête, deux têtes, trois têtes. Ah non! Il a coupé un peu plus sur la troisième tête. Ah bah toi tu m'en apprends une bonne tiens. M'apprends rien du tout oui. T'as quelque chose à m'apprendre toi? Alors tout en haut, machin, ok. C'est le microprocesseur, il est au milieu? D'accord. Ok. Excusez-moi, je chante en même temps. Alors lui, qu'est-ce qu'il me raconte? Qui est sur la lune? Ah, il y a l'épée! Il y a l'épée sur la lune! Moi, je veux l'épée! Une chouette.
C'est chouette. Ouais. Ah, oh, pardon. Oula. Ah oui, speed. Ah, tout à l'heure, il m'a mis 3 heures à monter le petit... le petit escalier, là, il speed comme c'est pas permis, là. Allez, c'est parti, on va monter sur la soufrière. La soufrière de l'espace. On voit la lune en fond, là, il y a l'épée là-haut. Là, il y a le monstre qui dort. Ouh, on approche du monstre. Oh là là, mais ça fait longtemps, là. On est à la fin de l'épisode. On est à la fin de l'épisode. Je le laisse monter. Je le laisse arriver. Ah, mais il pue de la tronche, en plus. Allez, on s'arrête là, on se retrouvera pour le prochain épisode très très bientôt, ça sort tous les 3 jours maintenant, et vous aurez peut-être le dernier épisode avec le monstre mécanique que je vais couper en 2, 3, 4, on verra. Allez, à très très bientôt, Jana.